Yo la famille, c'est Sherlock9.2, j'espère que vous allez tous très bien la famille, en tout cas pour ma part ça va super. Donc aujourd'hui la famille on se trouve pour une toute nouvelle vidéo la famille, dégustation très spéciale. Là aujourd'hui on va pas manger des tacos, des kebabs, on va pas faire des dégustations de Liprane, pas de dégustation d'eau. Aujourd'hui on va faire une dégustation civilisée la famille, je vais vous proposer une dégustation de produits American. My American market, my American. Donc là on va déguster des produits américain la famille. Donc là en fait je vous explique, donc j'ai commandé un colis de chez My American Market. Donc c'est un site qui propose, tu vois, de commander des produits américains par la poste, enfin par livraison. Et là j'ai commandé un gros colis, wallah l'adim, dedans on dirait s'il y a de la drogue, il est bien rempli, tu vois, c'est bien garni ma gueule, il n'y a pas de radinerie. Et j'ai commandé un colis chez eux, regardez, il vient d'arriver là, regardez-moi ça, tu vois, ça c'est un vrai colis, tu vois, bien rempli, bien blindé là. Et là, dans ce colis-là, la famille, c'est qu'il y a énormément de nourriture américaine. Donc là, vous avez compris, on va faire une dégustation de produits américains. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais égorger le colis, enfin le carton, je vais le déchirer, à la crac, boum. Enfin, je vais l'ouvrir, je vais me munir d'un couteau, je vais ouvrir, je vais vous présenter les produits qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on va déguster ça directement. Donc c'est parti, là, je vais aller chercher le couteau et on se retrouve pour l'ouverture du colis American Market. Donc là, me revoilà avec le couteau et le colis. Donc c'est parti, on va procéder à l'ouverture du colis My American Market. Donc voilà, c'est rempli de produits comme je vous l'ai dit. C'est parti, on va pas parler chinois. On va ouvrir direct le truc. Bismillah. Donc c'est parti, je vais ouvrir. Voilà, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, normalement, il y a énormément de bouffe, tu vois. Il y aura une grosse dégustation là. Grosse dégustation. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. 1, 3, let's go. Ah ouais. Donc c'est parti. Donc regardez ce qu'il y a à l'intérieur. Donc déjà, il y a du fluff ou fraise. Du fluff barba papa. Donc vous connaissez le fluff, en fait c'est comme de la pâte à tartiner, mais c'est les américains qui utilisent ça, tu vois. Regardez, pâte à tartiner, mais les américains ils utilisent grave ça. Donc du fluff barba papa, du fluff goût fraise, des bonbons Bob l'éponge, la tête d'homme Bob l'éponge, voilà qu'ils ont ramené Bob l'éponge. Ils sont chauds les américains, ils sont chauds. Donc voilà, des petits bonbons Bob l'éponge, de la pâte à tartiner. Et là, la base ma gueule, des Pringles avec des goûts exclusifs. Donc c'est des goûts qu'il n'y a pas en France il me semble. Donc regardez, des Pringles goût pizza, des Pringles goût cheeseburger aussi. Par contre ils ont fait la guerre 14-18 dedans. Ouais, tu peux faire du maracas avec. La mère, ils doivent être détruits à l'intérieur à cause du mec qui a livré. Des petits paquets de chips américains. Donc il y a tout qui vient d'Amérique. Hein. Et encore du fluff. Wallah l'adim. Sauf que ça, c'est pas du fluff, je crois. Ça, c'est de la pâte à crème avec du beurre de cacahuète. On va goûter. Hein. Des marshmallows. Des espèces de la barbe à papa, quoi. Avec différents goûts. Des barres chocolatées. Des Skittles avec un goût, je sais pas c'est quel goût, mais c'est pas le goût qu'on a en France. Tête d'ouin, c'est des barres de céréales. Des bonbons. Ça en fait, je crois, on m'a dit c'était les bonbons Haribo. Haribo en France, genre Belani, c'est en gros là-bas, c'est ces bonbons-là qui dominent le marché. Genre, c'est comme Haribo ici, quoi. Mais les bonbons américains comme ça, genre ils niquent tout là-bas. Genre, ils sont grave chauds. Après, voilà, des petites barres de crunch. Des bonbons et tout. Franchement c'est un truc de ouf. Et des Oreo goût brownie. Oh maladie. Des Oreo goût brownie, ça doit être grave bon. Donc voilà, regardez, je vous montre bien la caméra. Regardez tout ce qu'il y a Michael, c'est un truc de malade, c'est un truc de ouf. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'on va procéder à la dégustation. On va goûter produits un par un. C'est parti ma gueule. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits qu'il y avait à l'intérieur du colis. Donc tous les produits que j'ai commandé moi. Donc vous avez vu, j'ai essayé de prendre des produits qui étaient intéressants, tu vois, qu'ils avaient l'air d'être bons. Donc là c'est parti, maintenant on va arrêter de parler, on va procéder à la dégustation. Donc tout d'abord, je voulais déguster le marshmallow fluff. Ça franchement en Amérique, à ce qui paraît, c'est la base, c'est comme l'essence dans les voitures, tu vois. S'il n'y a pas d'essence, la voiture elle marche pas. Là-bas s'il n'y a pas de fluff, leur corps il marche pas. Donc là c'est parti, on va déguster le fluff. Donc c'est de la pâte tartinée au marshmallow. Oh. Ah oui, regardez comment c'est. Franchement, j'en ai jamais goûté. Dans les vidéos, tout le monde goûtait ça. Moi, je me suis dit, moi, pourquoi je goûte pas ça, t'es. Donc là, c'est parti. 3, bismillah. Ah ouais. Mmh. Ah, c'est sucré. Hein. Mmh. En fait, c'est un espèce de goût. En fait, c'est du marshmallow, mais en pâte à tartiner. Ah ouais. Mmh. Vraiment pas mal. Hein.
Donc regardez comment ça se présente, c'est comme ça, c'est du blanc. Mais franchement, c'est sucré de ouf. En même temps, les Américains là-bas, ils kiffent la bouffe, hein. Là-bas, les portions, c'est pas pareil qu'en France, ma gueule, hein. Maintenant, on va déguster le deuxième produit. Donc là, j'ai pris des Oreo goût brownie. C'est la première fois que je vois ça. Ça a l'air d'être grave bon. Donc c'est parti. Waouh, t'es mal. Nous en France, on a des Oreo, frère. C'est des roues de scooter, ma gueule. Regarde ici, t'es mal le bail. On dirait un matelas, un transat, le truc, ça flotte sur l'eau. C'est vraiment bien garni, hein. Donc c'est parti. On va goûter. Donc c'est un Oreo goût brownie. Donc c'est parti. Ah non, regardez, genre ça c'est le brownie et ça c'est le chocolat de l'Oreo. Regardez tout le brownie qu'il y a. Ah ouais, non, ça déchire, c'est vraiment super bon. Oreo go brownie, la famille, c'est grave bon. Ah, vraiment. Regarde, en plus il est bien noir, tu vois, ça se voit qu'il a bronzé dans un four, il a bronzé dans un four le brownie, ça se voit. Maintenant, on va prendre un truc aléatoire, bah 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 bah. Les Pringles goût burger, goût cheeseburger, la famille. Oh là là. Ça, il me semble que ça n'existait pas en France, hein. Dites-moi dans les commentaires si ça existe ou pas. Mais on va goûter ça. Franchement, ça a l'air d'être grave bon. Waouh. Rien qu'à l'odeur, la tête de moi, je me croirais dans un snack. Donc c'est parti. On va goûter les Pringles goût cheeseburger. Donc regardez. Oh là là. Donc j'ai pris une grosse bouchée, hein. Enfin 3-4 Pringles, c'est parti. Ah ouais, c'est vraiment pas mal, hein. On sent bien le goût du burger. Ouais. Ouais, franchement, en fait, le goût que je ressens, c'est pas trop cheeseburger, mais franchement, ça passe. En fait, ça change des Pringles, tu vois, qu'on mange classique, les Pringles oignons. Tu vois, ça change un peu des Pringles de France, mais franchement, ça passe, c'est pas mal. Vraiment, Pringles cheeseburger, ça passe. Maintenant, on va prendre un autre bail. Une barre aux céréales. Donc c'est Lucky Charm. Donc Lucky Charm, c'est une marque de céréales très connue en Amérique. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Franchement, elle a l'air d'envoyer. Et regardez la taille de la barre. C'est un truc de ouf, franchement. En fait, les portions en Amérique, wallah, ça n'a rien à voir en France. En France, tu vas acheter un paquet de chips Lay's. La tête d'homme, t'achètes plus d'oxygène que de chips. Il y a plus d'air, wallah, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un truc de ouf. Donc c'est parti, on va goûter la barre de céréales Chunky Lunks. C'est parti, on va goûter. Ah, c'est vraiment bon, c'est vraiment bon. En fait, c'est grave bon. Regardez, vous voyez les petits trucs là en couleur? Ça donne grave du goût, ça. C'est grave bon. Là, on va prendre un nouveau bail. Ça, Flumfist, la barbe à papa avec différents goûts. Donc, c'est parti, on va ouvrir. La tête d'homme, c'est plus de la barbe à papa, c'est de la barbe à non-radinerie. Le truc, il est rempli de ouf. Tu vois, c'est pas comme les chips Lay's, ma gueule. Il y a plus d'air qu'autre chose. Donc c'est parti, on va ouvrir. Oh, l'odeur. C'est quoi cette odeur? La tête d'homme, c'est une odeur chimique, par contre. On dirait un pot de peinture. Regardez l'intérieur. Bon. En fait, c'est... Ah, c'est mélangé. Donc je vous montre, hein, regardez. En fait, c'est mélangé. J'ai cru que c'était séparé. Donc on va goûter un bout de barbe à papa. C'est parti. Donc c'est mélangé avec différents goûts, hein. Je sais pas c'est quoi comme goût, je vais vous le dire quand je vais goûter, donc c'est parti, bismillah. Ah ouais. Regardez, ça se présente comme ça, c'est mélangé, mais c'est bon. De la vraie barbe à papa. En fait, c'est de la barbe à papa avec goût chewing-gum, goût citron, c'est vraiment grave bon, goût pomme. Je vais sortir le bail, mais franchement, c'est grave. Ouais. En plus, il y en a encore. Hein. Ouais. Non, je valide. C'est validé, ça, ma gueule. C'est validé. En plus, ça, en fait, quand tu manges de la barbe à papa, t'as l'impression de manger du vide. Genre, t'as l'impression de taper des crocs d'oxygène comme ça.
Genre tu manges dans le vide parce qu'en fait ça fond direct. Par contre c'est vraiment bon. Franchement, fluff stuff, c'est bon. Pour l'instant tout ce que j'ai mangé c'est super bon. Sauf le fluff, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Et maintenant on va sortir le frérot Bob l'éponge. La tête de Wam, ils ont mis Bob l'éponge, la vie de ma mère. Moi j'ai cru que c'était une éponge, ma gueule, le truc. Mais en fait non, c'est des gâteaux je crois. De la marque Kwebi Pachi, Color Candy. Donc Candy je crois c'est grave connu là-bas. Donc c'est parti, on va ouvrir ça. Hein. Hop, direct on ouvre ça. Ah ouais, c'est des bonbons. Ok, c'est des bonbons Bob l'éponge. Donc regardez, ça se présente comme ça, dans un petit sachet. On va ouvrir ça, on va découvrir ensemble les textures et tout. Ah ouais, en fait c'est des petits. Ah ouais, c'est grave stylé, regardez. En fait c'est placé dans un petit panier et c'est des bonbons en fait. C'est des bonbons. Donc on va goûter. Il y a, en fait il y en a plein. Il y a plein de petits, petits paquets comme ça, t'as. Et il y en a, il doit en avoir, allez, facile, 10, tu vois. C'est vraiment stylé, c'est bien présent, tu vois, une petite barquette comme ça, là. C'est stylé, donc c'est parti. Donc on va goûter. Donc, il y a 4 bonbons, il y en a un, je vais ramasser, hop. Donc on va goûter le premier. Ah ouais. Il y a encore un qui est tombé, je vais ramasser. Franchement... On sent bien les suspensions. Ouais. Regardez. C'est comme ça. Franchement, les bonbons, ils sont bons à l'intérieur. Hein. Ils sont meilleurs que ceux d'Haribo, la vie de ma mère. On sent bien les suspensions quand on mâche. On se croirait dans un Range Rover 4x4. Ouais, franchement. Les bonbons Bob l'éponge, je valide aussi. C'est grave. Franchement, ça fait grave plaisir de goûter des autres trucs parce qu'à chaque fois ici on mange, tu sais, Haribo, Granola, tu sais, tous les marques qu'on connaît là, c'est des nouvelles marques. Regardez les bonbons qu'ils ont, des Rainbow Nears. La tête de Wam, gros, c'est un coloriage. Regardez toutes les couleurs qu'il y a dessus. Tu peux faire du maracas avec. En plus, je crois que ça, c'est des bonbons, quand ça arrive dans ta gorge, ça fait des bruits bizarres. Donc, c'est parti, hein. On va découvrir ça ensemble, la famille. Donc, on va tester. Ah ouais, regardez. Genre, c'est des petits bonbons comme ça. On va goûter, hein. On va mettre ça dans la bouche, c'est parti. Donc c'est des bonbons, je crois c'est mélangé. Donc c'est... En fait il y a plusieurs goûts, regardez, en fait la couleur elle varie en fonction du goût. Donc c'est parti, on va goûter. Ah ouais, c'est vraiment bon. Merde. Ah, il y en a tellement, voilà, ça s'est renversé partout. On sent vraiment tous les goûts. Du citron, de la myrtille, du goût poisson, du goût agneau. C'est vraiment super bon. Ensuite, on va attaquer une barre Reese's. Celle-là, ce qui paraît, genre, c'est les barres du Turfu au steak. Donc, c'est une barre chocolatée. Hein. On va goûter ça. Ah non, c'est même pas une barre, wesh, c'est un gâteau. Regardez, ça se présente comme ça. C'est des petits gâteaux comme ça. Donc, on va laisser ça dans la boîte, vu qu'on va goûter que là. C'est parti. Donc, des barres chocolatées américaines. Ah ouais. Non. C'est plus bon que les Snickers. C'est plus bon que les Lions. C'est plus bon que toutes les gammes de chocolat de France. Ça ressemble un peu au goût des Snickers. En plus, il y a des petites noisettes à l'intérieur. Oh, non. C'est de la magie. Tu ressens bien les saveurs. Tu ressens bien le chocolat bien chocalifié. Ça se voit que le mec, il a récolté dans l'arbre du chocolatier avec une tondeuse. La tête de l'homme, il avait du chocolat. Il a tondé le chocolat. Vraiment, c'est grave bon. Ça aussi, je valide. Super bon. Il reste encore les chips goût pizza. On va goûter ça. Et pas mal de trucs. La vidéo elle va être longue, ma gueule, mais c'est normal, frère. Bon, là, t'as eu tous les produits qu'il y a. Donc, là, on va goûter les chips Pringles goût pizza, la famille. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, bismillah. Donc, regardez, ils sont un peu plus colorés. Donc, c'est parti. Bah, ouais. Non, cette fois, celle-là, on ressent bien le goût de la pizza. Ah, franchement, les Pringles pizza, ça envoie. On ressent bien le goût de la pizza, on ressent bien. Contrairement aux autres Pringles, franchement, c'est une dingue. On va tester les Skittles. Les Skittles goût, je crois, ça, c'est des goûts fruits de la passion. Fruits de la passion. Donc, c'est pas les Skittles basiques. On va goûter ça, ma gueule. C'est parti. On va sentir l'odeur.
putain, on sent bien. On sent bien l'odeur du bois. On se croirait à Ikea. Ouais, ouais, on sent bien les fruits de bois. Ouais, on va prendre de. Voilà, j'ai essayé de mettre toutes les couleurs qu'il y avait dedans. On va goûter ça. Donc, ce qui était le goût fruit de la passion, je crois. C'est parti. Mmh. Ah ouais. Rien que le Skittle, il est plus grand que ceux basiques en fait, en France. Ils ont plus de portions, hein, les Skittles d'Amérique. Mmh. Ouais, ça va, c'est bon. Hein. C'est pas les mêmes Skittles qu'en France. En fait, ils ont rajouté des autres goûts. Ouais, c'est le fruit de la passion. Ouais, franchement, il y a un bon mélange. Mmh. Ouais, ils ont bien mélangé. Ils ont bien mis au mixeur pour donner des saveurs comme ça. Mmh. Franchement. Mmh. Franchement là tous les produits que j'ai goûté, c'est tous de la frappe, c'est un truc de haut. Et là aussi j'ai oublié de vous faire goûter le fleuve goût fraise. Parce que la fraise c'est la base, c'est la fraise, c'est la rougeur, tu vois, c'est le sang, c'est la fraise, c'est bien. La fraise c'est inimaginable, c'est une dinguerie la fraise, c'est une dinguerie. Donc on va goûter le fleuve goût fraise. Donc franchement là, là j'aurais de quoi faire des pâtes à tartiner toute ma vie là. Donc c'est parti, on va goûter le fleuve goût fraise. On va voir si ça ressemble au fleuve chamallow. Je pense pas parce que c'est un autre goût. Donc regardez, c'est juste un peu plus rose. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Ah, le fleuve goût fraise, ça envoie aussi. Mmh. Mais après moi c'est pas mon délire. Moi je préfère le Nutella. Le Nutella c'est plus bon je trouve. Comme pâte à tartine. Bah bilan la famille, j'ai tout dégusté, j'ai tout goûté, j'ai rafalé tout. Regardez, je vous remonte hein, mais regardez, j'ai dégusté tout ça. Donc franchement, le best pour moi de tous, c'est la barre Lucky Charm. C'était la best. Vous dites-moi hein, parmi tout ça, c'est quoi le truc que vous aurez préféré goûter le plus? Franchement, il y a le choix à ma gueule. Franchement, c'est énervé. J'ai bien senti les saveurs dans la bouche. Je me sentais en Amérique, je me sentais à Las Vegas. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Donc voilà, sur ce la famille, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, à partager la vidéo, tu connais. À vous abonner si c'est pas fait. Et nous la famille, bah, on va se dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Sur ce, ciao la famille.